Le rassemblement des Saint-Laurent de France 2014 prend ses marques le vendredi 27 juin. Le coup d'envoi est lancé. On est au 24e Saint-Laurent de France. Il y a mon ami à côté là, donc je vous souhaite la bienvenue en Gascogne. J'espère que vous en profiterez et que vous serez très heureux d'être passé par chez nous. Donc un bon grand week-end à vous tous. L'organisation. Sous les tentes placées à l'entrée du village, Guy Clua, maire de Saint-Laurent-en-Gascogne, reçoit les premières délégations qui affluent de tous les horizons. C'est aussi le moment où s'exprime le plaisir de se retrouver depuis le rassemblement 2013 à Saint-Laurent-des-Bouzes en Camargue et de faire un petit point sur le vécu de ces derniers mois. Comme de se rappeler, avec Georgette et Pierre, que tout cela a commencé un certain mois d'août 1991 à Saint-Laurent-de-Cerdan. On va voir la photo là où on est arrivé. Voilà. Alors que les camping-caristes repèrent leurs emplacements et investissent les lieux, c'est le moment pour certains d'échanger quelques propos. Alors, t'es arrivé de quand, toi, hier soir ? Moi, ça fait une semaine que je suis là. Ah, oui ? Nous, hier, mais on est bien. Mais nous, on est arrivé, on cherchait où aller, et nous ont trouvé une place, là. Ah, c'est super. Là, pour trouver mieux, c'est bon. Je crois que c'est le meilleur endroit qu'on a fait de tous les Saint-Laurent. Ah, oui, ben, même pour le week-end, là, bon, ouais. Tout est à l'ombre, et impeccable. Là, le chapiteau, il est juste en face. Ah, oui, impeccable, impeccable. Tout est à l'ombre. Et on n'a pas loin à aller. Pour les autres participants, membres des 36 délégations inscrites, c'est aussi l'instant de s'installer. Soit en maison d'hôte, gîtes ruraux, hôtel, chez l'habitant, ou sur le stade de rugby local pour planter sa tente ou occuper le camp de toile monté pour la circonstance. Pendant ce temps, le conseil d'administration de l'association nationale règle les derniers détails et prépare la réunion de la prochaine assemblée générale. Une partie de la logistique générale dans le prix des prestations que l'on vend. Tout ce dispositif se met petit à petit en place. Et c'est au rythme enjoué d'un big band que la bonne humeur des Saint-Laurentais s'affiche sous les ombrages bienfaisants des platanes, avec un bon verre à la main, tout en attendant tranquillement le repas du soir dans la joie des retrouvailles. Pour recevoir près de 900 participants, cette organisation nécessite une infrastructure adaptée, comme ce chapiteau géant, où ont été servis tous les repas et où se sont tenues les différentes animations qui ont enrichi trois journées. Toutefois, la réussite des rassemblements des Saint-Laurent de France repose d'une année sur l'autre sur l'engagement des bénévoles. Ici, ils n'ont point failli à cette belle tradition, et c'est au nombre de 185
qu'ils ont assuré le fonctionnement de la logistique, avec en particulier le service de près de 4000 repas. Bravo à eux. Par contre, le service s'arrête après le café, on débarrasse les assiettes, on range les verres sales dans des casiers à verre, les assiettes sales, tout rangé dans le camion, on débarrasse, on prend le sac ouvert, on roule les nappes. Les petites mains du village ont peaufiné la décoration aux allures champêtres, comme ici le parvis de la mairie, ce qui participe à la bonne humeur des petits et des grands. J'ai salué les ch'tis. Pour la première fois, une monnaie factice a été utilisée sous la forme de jetons frappés du logo de l'association nationale. Les Saint-Laurent-de-France sont là et la chorale des enfants du village leur souhaite la bienvenue. Marie-France Corvest, présidente de l'association nationale, le maire Guy Clua et Bernard Capel, président du comité d'organisation, souhaitent la bienvenue aux participants. Laurentin. En tout cas, nous devons remercier Guy, le maire de Saint-Laurent-de-Vertonne, ainsi que Bernard, le président, d'après. Je pense que vous êtes contents ici, parce que c'est un site bien encouragé. Donc, nous allons leur faire une ovation. Attention. 1, 2, 3, pour tous les bénévoles, les présidents et les maires. Chers amis, bienvenue chez nous. Deux ans qu'on prépare ce rendez-vous. 2 ans. Et ceux qui l'ont déjà fait savent le chemin qu'il faut parcourir pour arriver à un jour comme aujourd'hui. Et ceux qui applaudissent savent. Je suis donc très heureux, au nom des 185 bénévoles de notre association, je suis donc très heureux en leur nom de vous accueillir et de vous dire un grand merci d'être venus nous rejoindre en terre carcore. On va essayer de faire le mieux possible pour que ce soit
soit une réussite et que vous gardiez dans vos cœurs et dans votre mémoire un souvenir heureux de notre village Saint-Laurenté. Je vous demande tout de même d'être indulgent. Encore une fois, ceux qui ont déjà pratiqué ce genre de travail, ce genre d'organisation, savent qu'il y aura immanquablement des petits couacs. On va essayer que vous ne les voyez pas. On va essayer de les cacher. Et si vous en voyez quelques-uns, soyez indulgents. Je vous en remercie par avance. Bonne soirée à tous. Bon, Bernard est un impied de nature, donc moi je peux vous rassurer, ça sera parfait. Donc voilà, il n'y aura pas de petit poids, tout sera fait dans la bonne réussite de cette manifestation. Soyez les bienvenus à Saint-Laurent-en-Gascogne, j'espère que vous y prendrez du plaisir, vous y trouverez des amis, et sachez qu'on a mis tout notre temps pour vous y recevoir, et donc tous les bénévoles qui sont là, à ma droite ou à ma gauche, ou derrière ou devant, eh bien, on fait le maximum pour vous recevoir ce qu'il faut. Voilà, donc passez un bon week-end et profitez-en. La montée en puissance de l'ambiance se mesure avec la présentation des délégations, ce qui donne le coup d'envoi à ce 24e rassemblement. Tous et toutes les habitants de France. Mais seulement de France.
après, on a des revendications au niveau des tarifs des camping-cars. Le samedi 28 juin, en début de matinée, les deux commissions installées depuis 10 ans ouvrent leurs travaux. Ainsi, au sein de la commission tourisme et économie, comme celle de la jeunesse et des associations, sont élaborés les projets à soumettre à l'Assemblée générale. La restauration, Allez, c'est parti. Pendant ce temps, se fait la mise en place du défilé traditionnel des délégations, arborant pour certaines leurs plus beaux costumes traditionnels pour parcourir les rues principales de l'île. Départ de ce défilé, Ah,
sportif de la Saint-Laurent. Saint-Laurent est la belle de l'enjeu de l'équipe. Les garçons, les Saint-Laurent doit amener la poche. Merci beaucoup, Saint-Laurent du Cube. Les amis de Saint-Laurent et Catherine qui sont là, vous avez tout à l'heure au micro. Allez, gros, t'as sonné pas. Bonjour à tous. J'ai pas compris ce qu'il y a. Alors, nous allons, nous sommes avec Saint-Laurent Pionnier en Bourgogne. On va faire ça avec les amis du jeu. Non ? Ah, d'accord, super. Tous les responsables de service, s'il vous plaît. Quelques petits mots. Qui c'est que... Allez, président, maire, plus passionné. Bernard, comment ça va, Bernard? Vous avez mis le casque à tout le monde. Qui c'est qui va dire un mot pour les amis de Garonne là? Allez, un petit mot pour les amis de Saint-Laurent, Gascogne, de Garonne. Quelques noms, hein. Allez, juste après. Voilà, c'est absolument génial. 9000 km, il fallait le faire et ça mérite d'être ovationné de nos cœurs respectifs. Vraiment. Allez, on avance, on y va. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Vraiment, du fond du cœur. Allez, les hommes pas fait terrible, je te jure. Je me sens plus à l'aise, tu m'as dit pas qu'il va jouer. Ah, c'est génial. Dommage. Allez, les amis. Le Saint-Laurent, Rochefort. D'accord, les filles. Allez, je vais vous faire rigoler. Je m'attache trop, mais c'est ça. Je m'attache trop. Allez. Oh, quand même. Voilà les Saint-Laurent. Allez, ensemble. Bon, on y va. Allez, si vous n'avez pas trop chaud, les filles. Quoi ? Ça fait chaud, les gars. Ça réchauffe et ça abuse aussi. Voilà, allez, on y va, on avance, on a l'amour, c'est l'animateur qui retarde tout. Allez, on avance, on avance. Saint-Laurent de Cerdan. Pouf, nos amis de Saint-Laurent de Cerdan, je reconnais cette couleur, jaune rouge, qui caractérise cette tradition du. Il m'a suivi. Comment ça va? Il s'appelle comment notre créature? Arthur. Ça te va bien payé. Joli. Mais tu vas bien? Un petit mot de. Elle est là. Vite. Comment ça va? Vous avez du soleil, un peu supplémentaire, de la bonne humeur. Il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes filles et des jeunes garçons. Tu vois, c'est mixte. Ça, c'est mixte. Tu vas bien? Combien d'habitants chez vous? Fils de moi, je crois que c'est le plus grand Saint-Laurent. Voilà, alors je ne peux pas trop vous en parler parce que c'était là-bas sur le défilé. On vous retrouve tout à l'heure et on les attendait, les amis de Saint-Laurent. Saint-Laurent. Saint-Laurent des Combes, après 7 millions, quelques petits mots, tant d'habitants. En tant d'habitants, 259 habitants. Superficie de la commune, 385 hectares, donc encore petit, et 300 hectares de vignes. Voilà. Donc après la fin, 7 millions et 7 millions d'un trou. Voilà, je vous en prie.
la route nationale, vous êtes à mon camp, vous avez 10 minutes de carte, vous avez compris. Vous arrivez à Saint-Laurent, à Saint-Laurent des Eaux, vous êtes en train de faire un tour de marche. En ce coin de France, il fait toujours bon vivre, depuis fort longtemps, entre générations. Dans ce coin de France, on aime toujours vivre, sans rien compliquer et sans modération. Chantons Saint-Laurent, les mains, le département du Rhône, sont les mains. Et le Beaujolais, cantons les saucissons. Chantons Saint-Laurent, bonjour de tous les bonnes, venez voir chez nous, il y a la bonjour. Joyeux enfants de la Bourgogne, le défilé est terminé. Les élus se sont regroupés sur le terrain de la mairie pour la photo souvenir. 1, 2, 3. Est-ce que c'est serré de cette boîte ? C'était aussi l'occasion de rendre une visite au petit musée des traditions locales, installé pour l'occasion dans la salle du conseil municipal. Ça m'est suivi l'inauguration de la foire exposition où les 35 stands mis en place proposaient les innombrables potentialités touristiques, culturelles et gastronomiques des Saint-Laurent de France, avec au passage des mers une dégustation des meilleurs produits. Le foie gras, mini passé, le foie gras. Regarde. Ah, il y a du petit fromage. Les roches de verre, c'est fini même. Hein. Et le saucisson aussi. Il y a toujours des magnifiques produits ici. Et puis après, on est vachement fort au niveau du couteau et de la meule. Hein? Ah oui, voilà, ça... il avait assez de pruneaux. Ils sont très côté producteurs. On a demandé au préfet, ils ne veulent pas changer. Alors on va les écouter. On va les... Chacun avait ses valeurs et ses noms, c'est pas grave. Alors le Morbihan, est-ce que vous êtes prêts? On va immortaliser l'événement. La délégation va se chercher. Donc on a fait, on a choisi. Si vous êtes prêts, on y va. Bon, allez, filles, ça va? Allez, merci. Allez, le téléphone. Attends, moi j'ai dit. Alors là, ça va m'achever. Héro, regarde. Attends,
Madame le maire dit que les femmes sont bien et les hommes sont extraordinaires. Je ne sais pas où ils sont, mais... Ah si, il y en a un là-bas. Très bien. Comment va-t-il? Sur le partage. Ah, c'est très joli la présentation. Allez, nous, on ne boit que de l'alcool. Dans le jus de pomme, on passe à côté. Voilà, le dipon, je commence à faire effet. Ça va donner, mais je vais le finir. Ça, ici, il est extraordinaire. Aussi, ça me tourne. Ça veut dire, on n'a pas du cochon. Regarde, il y a beaucoup de canard. Alors, je vous signale qu'on a goûté tout à l'heure du saucisson à l'ail. À l'ail. Voilà, ouais. C'est une invention de Marie-France. Et là, on est du saucisson de taureau. Voilà. À la santé de tous les Laurentais, les Laurentaises, les Laurentines, les Laurentais. Le vin d'honneur, offert à la suite de l'inauguration de la foire exposition, inviter des participants à rejoindre le chapiteau pour prendre le déjeuner servi dans une ambiance festive. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi les Saint-Laurent, les anciens qui sont de Saint-Laurent dans l'IA, tout dans tout, mais de pas grand-chose. Par contre, on n'a pas entendu les applaudissements, merci. Les anciens. Dernière bouchée avalée, cette joyeuse équipée s'est rendue auprès des 12 autocars pour être véhiculée sur les sites des 12 circuits touristiques sélectionnés judicieusement pour découvrir les charmes du Lot-et-Garonne, dont un circuit prévu pour les élus, avec au programme la visite de Font-Roche, groupe spécialisé dans les métiers des énergies solaires. Éric Loulot est donc le responsable de l'activité Candélabre solaire autonome. C'est drôle d'éléments que vous voyez là et qui éclaire tout seul. Voilà, avec le soleil sur la France. Et Grégory est aussi dans l'éclairage autonome. Il est responsable du secteur sud, en gros, où
pour cette activité d'éclairage autonome. Donc c'est nous trois qui allons le plaisir de vous faire visiter Fort Roche. Donc on va faire notre métier, c'est bien de produire de l'énergie. Voilà. On est une jeune société. En fait, ce mois-ci, nos 6 ans. On a commencé en juin 2008, donc par le développement de projets solaires en grande toiture. Le fondateur de Fort Roche s'appelle Yann Moss. Monsieur que vous voyez ici à gauche, il est assez jeune, hein, 44 ans. Je dis assez jeune, c'est à mon âge. Et il a d'abord fait une grande réussite dans le monde de l'agroalimentaire. C'est assez curieux parce que Fort Roche est aujourd'hui un des leaders français des énergies renouvelables, on peut dire une des trois entreprises les plus remarquables dans les énergies renouvelables en France. Cette démarche particulièrement instructive sur les avancées techniques de ce groupe se prolongeait à l'hôtel du département à Agen, dont les niveaux des dernières crues spectaculaires de la Garonne sont gravés sur le portail d'entrée. Donc là, vous êtes dans l'hémicycle du Conseil Général de l'Hôtel-Garonne. Donc le Hôtel-Garonne, en quelques mots, j'imagine que Guy Clua vous en a parlé un petit peu. Donc, le département rural, le département d'Aquitaine, pour l'instant, aussi la région. Alors c'est ça notre département, pas trop. Nous, on va peut-être rester tout seul entre nous. Donc en Aquitaine, 336 000 habitants en Lot-et-Garonne, donc un petit département, essentiellement rural, quatre villes principales, Agen, où vous êtes, 36 000 habitants, donc vous voyez, c'est pas une grosse ville, l'agglomération de 60 000 habitants. Ensuite, c'est Villeneuve-sur-Lot, donc 26 000 habitants, et Marmande, 18 000, donc vous voyez, des petites villes. 40 cantons à l'heure actuelle. On passera à 42 cantons aux prochaines élections, dont la date est là aussi assez fluctuante, a priori c'est décembre 2015. Donc pour l'instant, il y a 40 conseillers généraux, et vous occupez leur place, d'accord? Donc 40 conseillers généraux, vous savez qu'aujourd'hui la parité n'est pas assurée, et malheureusement, les conseillères générales sont extrêmement minoritaires, puisqu'elles sont 5 sur 40, ce qui n'est quand même pas assez notable. Bon. Lot-et-Garonne, donc, département rural, connu pour un certain nombre de stéréotypes traditionnels, le pruneau, très bien, le rubis, même si depuis 2 ans, on goûte les joies de la Pro D2. Mais il n'y a pas que ça, le département touristique et qui voit son tourisme se développer de manière importante parce qu'on a l'avantage d'être situé au cœur du Grand Sud-Ouest. Et l'exposé, présentant le département, mettait en relief les qualités de cette belle région, dont les potentialités touristiques et gastronomiques que les participants au rassemblement étaient en train de découvrir sur le terrain. De la culture traditionnelle du pruneau d'Agen avec son magnifique hôtel du XVIe siècle, au charme du puy d'Albret et sa capitale de Nérac avec son château, où le futur Henri IV a passé une partie de sa jeunesse. Nérac, port du départ des fameuses croisières sur la Baïse, que ses eaux baignent les imposants vestiges du moulin des Tours à Barbaste. Le Lot-et-Garonne, pays des Bastides, offre aux visiteurs celle de Vianne, l'une des mieux conservées, avec son enceinte fortifiée et ses tours d'angle avec ses 4 portes. Le musée du Liège et du Bouchon de Mézin rappelle que cette industrie a permis, à partir du XVIIIe siècle, le développement économique et social de ce village, qui est aussi le village natal d'Armand Falière, président de la Troisième République de 1906 à 1913. Un détour s'impose sur le site grandiose du château fort de Bonaguil, planté sur un éperon rocheux de la commune de Fumel. De retour en pays d'Albret, le vignoble de Buzet déroule ses coteaux, où la cave des vignerons vous accueille pour une dégustation et vous faire partager la passion de ces hommes pour ce terroir. La fin de cette belle journée permettait de rejoindre la quiétude de l'esplanade ombragée du village pour se rafraîchir aux accents d'une mélodie enchanteresse. Puis de rejoindre le chapiteau pour le repas du soir qui s'annonce singulièrement animé en compagnie de la Peña des Sans Soucis de Bordeaux.
être passé dans nos vies. D'avoir fait ce petit détour, ce temps de parcours, merci. D'être là, présent à chaque fois. D'être là, les choses par vos voix. De chanter l'amour et l'amitié sur le fil des années. Oh, merci.
Voici venu le dimanche 29 juin, dernière journée du rassemblement, qui, en matinée, dans la petite église du village, rassemblait les fidèles pour la messe traditionnelle vouée à leur saint patron, le diacre Laurent. Bienvenue à chacun de vous dans notre paroisse de la Visitation en Valais et Coteaux. En ce troisième jour de fête des Saint-Laurent de France, nous voici rassemblés ce matin dans l'église de notre village pour célébrer l'Eucharistie, rendre grâce pour ces moments de retrouvailles, de partage, de convivialité. L'Église universelle, aujourd'hui, fête les apôtres Pierre et Paul. À ces deux fondateurs de l'Église naissante, nous associons le diacre Laurent, saint patron de nos villages. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à vous tous, bienvenue à Saint-Laurent, mais aussi nous accueillons les Saint-Laurent de France aujourd'hui. Des quatre coins de l'horizon, nous arrivons, nous nous rassemblons autour du même pain, autour de la même Eucharistie. La fête, c'est aussi réserver, je dirais, du temps, de l'espace pour notre foi et pour célébrer aussi le Seigneur. Ce matin, c'est en toute simplicité que le diacre Laurent nous accueille. Ce diacre qui a marqué l'histoire de l'Église, qui marque encore l'histoire de nos villages, cette figure de diacre aussi qui a su donner de sa vie, de sa foi et de son témoignage. Cérémonie. Voilà, je voulais également m'associer à au Père Jean, pour effectivement ce bel office, et remercier le chef des chœurs d'hommes de l'Albret pour avoir aussi magnifiquement accompagné toutes les personnes de la paroisse de la Visitation en Valais et Coteaux qui ont finalement œuvré pour que ce 24e rassemblement des Saint-Laurent de France soit une belle fête pour tout le monde. Donc je vous remercie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Sortie de cet office, la foule converge par petits groupes vers le site où se déroule l'inauguration du monument, érigé traditionnellement dans chaque village organisateur de rassemblement. Merci, monsieur. Cette stèle restera pour tous les bénévoles de Saint-Laurent d'ici. Chaque fois qu'ils passeront devant, et on l'a positionné en sorte qu'ils passent souvent devant, restera le souvenir d'un moment magique et merveilleux qui a pu avoir lieu et qui a pu se concrétiser grâce à votre présence à tous et grâce à votre gentillesse qui ne s'est jamais démentie, même lorsque nous avons eu des petits pépins, des petits couacs, comme je les avais annoncés le vendredi soir. Il y en a eu, mais vous avez toujours eu le sourire. Et ça, ça va rester dans les cœurs de nos bénévoles et pour eux, je vous en remercie. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vais donner la parole à notre ami, voilà, notre sculpteur, Marcel Rotti. Je donne la parole à Marie-France, peut-être. Alors non, on va attendre que madame la députée soit arrivée, elle ne devrait tarder. Donc on va donner la parole, on bouscule un peu le protocole. On va donner la parole à Marie-France Corvest. Alors, madame la députée Lucette Lousteau, qui va pas tarder à arriver, monsieur le président du conseil général Pierre Camani, monsieur le président de la communauté de communes monsieur Lacombe, messieurs les maires, monsieur le maire de Saint-Laurent en Gascogne, Guy, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers Laurentais, chères Laurentaises, Laurentins et Laurentines, pardon, Laurentines et Laurentins. J'ai eu le plaisir de rencontrer Guy Cluat. Oh, ce matin, ça va pas très bien, hein. Ça doit être le temps. Je n'ai pas encore fait les stands, donc je recommence. J'ai eu le plaisir de rencontrer Guy Cluat, maire de Saint-Laurent en Lot-et-Garonne, il y a plus de 2 ans. Et j'avais de bonnes intuitions que cette belle commune rejoindrait un jour la grande famille des Saint-Laurent de France.
Cela s'est réalisé à notre grande joie. Mais quel ne fut pas notre bonheur, peu de temps après cette adhésion, d'apprendre que le souhait de son conseil municipal était d'organiser le 24e rassemblement 2014. Eh bien, nous y sommes depuis 2 jours et nous y sommes bien. Une organisation de très bonne qualité, sous la houlette, où il est Bernard ? Ah, il se cache, viens ici. Sous la houlette de Bernard Capel, président du comité d'organisation, cela reflète le travail de préparation de 18 mois de réflexion. Je crois que nous pouvons applaudir chaleureusement cette belle équipe et tous les bénévoles qui n'ont pas ménagé leur temps et qui nous offrent leur hospitalité dans la gaieté et la bonne humeur. Applaudissez-les. Gaieté et bonne humeur naturelle, avec un sens spontané de l'accueil des habitants qui se marient naturellement et caractérisent votre village, votre département, votre région, et qui n'ont d'égal que la richesse touristique et gastronomique dont vous nous avez déjà permis en 2 jours découvrir l'excellence. Nous nous sommes régalés. Saint-Laurent-Gascogne, car tel est le label que vous avez souhaité donner, monsieur le maire, à cette manifestation, sonne bien à toutes les oreilles. En effet, la Gascogne, arrosée par Dame Garonne, est identifié comme le pays du bon vivre, du pruneau et du rugby. Un pays et des hommes qui s'enorgueillissent de la beauté, du calme et de la variété de ses paysages. Tous les auteurs qui l'ont traversé depuis l'Antiquité saluent à l'unisson la douceur du climat, la profusion des couleurs, la courbe des coteaux. Pour apprécier cette région, il faut donc accepter de la parcourir en toute saison, en prenant les petites routes qui la sillonnent, et ne pas se contenter de visiter les sites répertoriés vers lesquels convergent les touristes de passage. À votre initiative, nous sommes de passage et nous avons pu goûter les sites répertoriés, et nous vous en sommes grés, mais soyez certains que nous reviendrons pour prendre les petites routes et goûter la douceur du modelé de vos paysages et retrouver des amis que nous n'oublierons jamais, tant notre rencontre fut enrichissante. Nous vous disons merci. Merci à tous les représentants des Saint-Laurent-de-France devant cette œuvre d'art où leur nom est maintenant gravé. Ils disent et pourront dire « J'étais à Saint-Laurent en Gascogne » avec une pensée de circonstance dédié à l'un des plus célèbres Gascons, Charles Batz Castelmort d'Artagnan, héros des Trois Mousquetaires, qui bravement proclamait une devise qui reflète l'esprit, qui anime aussi la grande famille des Saint-Laurent-de-France et qui la symbolise parfaitement, un pour tous, tous pour un. Merci. Merci Madame la Présidente. Écoutez, de toute façon, comme toute inauguration, je pense qu'il faut qu'elle soit baptisée, et elle va peut-être l'être. Donc, vous armez de patience, on va y arriver, je suis sûr que bon, on aura encore peut-être un petit orage, mais enfin bon, ça va vite le faire. Voilà. Écoutez, moi je voulais d'abord remercier l'Association des Saint-Laurent-de-France de nous avoir fait confiance, de nous avoir laissé cette date. Qui effectivement va être immortalisé pour notre village de Saint-Laurent-en-Gascogne. Je crois qu'effectivement, quand on s'est positionné pour faire cette manifestation, on avait oublié qu'il y avait les municipales. Et puis finalement, bon, les municipales, entre l'ancienne équipe, la nouvelle équipe, il y a une complémentarité et tout le monde est resté solidaire pour que cette manifestation soit une belle réussite. Voilà. Donc je voudrais les remercier, effectivement. Mais je voudrais surtout, je vais faire recours parce qu'effectivement, on risque d'en prendre une, voilà. Je voudrais remercier surtout tous les maires de nos communes voisines qui nous ont aidés dans l'aménagement et dans le prêt de matériel pour effectivement
vous recevoir correctement et j'espère que vous garderez un excellent souvenir de cette manifestation. Je voudrais aussi remercier le lieutenant colonel Perrault qui nous a mis à disposition toutes ses équipes pour nous aider en cas de problème. Merci lieutenant colonel d'être là, ainsi que la gendarmerie, tous les corps constitués, les maires des communes avoisines et tout le monde réuni ici. Donc pour terminer, avant l'arrivée de Madame la députée et l'inauguration de ce ruban, je voudrais remercier plus particulièrement les gens qui ont travaillé depuis un an bientôt pour que cette fête soit réussie. Donc autour de l'animation que vous avez pu côtoyer depuis deux jours, eh bien effectivement, François, Jean-Pierre et Poudette, au niveau des expositions avec les outils et les coiffes de tradition, nous avons travaillé avec Gisèle, Pierrot, Franck, Josette et Jojo. Voilà, je vous invite à les découvrir si vous n'avez pas eu le temps. Au niveau du tourisme des 12 corps qui sont partis hier, eh bien, c'est André qui s'est engagé dans cette belle aventure. Mais bon, ce qui était le plus important pour nous, c'était la logistique. Donc effectivement, on peut dire un grand bravo à Jean et à Michel, accompagnés en cela de Jean-Jacques et de bien d'autres. À la décoration avec toutes les fleurs, et alors les naturelles ou celles qui sont moins naturelles, c'était Véro, la cordée garonnaise et Pierrette. Voilà, à la restauration, c'était, et à la buvette, c'était Jocelyne, Dominique. À l'hébergement, Annie, Jo et Pascal. Au secrétariat, nous avions Dominique et Mireille. Aux finances, Geneviève et Annie. Et ensuite, à la présidence, on en a parlé. Il est toujours modeste, mais il est là, c'est lui qui a canaliser un petit peu toute cette énergie de tous ces bénévoles pour que finalement ça soit une bonne réussite. Alors, je voudrais associer vos applaudissements, non pas à ma personne ou à la commune, mais surtout à tous ces bénévoles qui font le maximum tous les jours, que ce soit matin, midi et soir, pour vous recevoir correctement afin que vous gardiez un excellent souvenir de cette journée. De ce week-end, parce que là, on est en journée, et on n'a pas fini, vous savez, on a encore midi et ce soir. Voilà, donc ça, c'était important, et mes remerciements et vos applaudissements vont vers les bénévoles. Mais écoutez, j'ai fait au plus vite pour être parmi vous. C'est vrai que le maire de Saint-Laurent, de Lot-et-Garonne, m'avait parlé de ce projet il y a longtemps déjà, et que j'avais trouvé vraiment cette idée extrêmement intéressante et j'avais souhaité bien évidemment y être associée par ma présence aujourd'hui. Donc ce rendez-vous était pris de longue date. Voilà, donc je répète, je trouve que c'est une initiative fort intéressante qui a été prise il y a maintenant plus de 20 ans et qui vous permet de vous réunir comme ça 25 ans bientôt, oui, puisque c'était 91, je crois. Voilà, le premier, voilà. C'était la conception du projet, voilà. Et donc, depuis toutes ces années, le fondateur... Ah bon, le président fondateur est là. Bonjour, monsieur le président. Voilà. On tire ! Voilà ! Voilà ! Le décor de cette stèle de grès blanc rappelle que depuis ses origines, le village partage sa vie avec Dame Garonne, dont le flot baigne ses rives, et surtout les noms des 36 délégations inscrites à cette manifestation.
Saint-Laurent et ses vignerons blancs, rouges et rosés. Vous savez que à l'intérieur de la salle, eh bien, on ira faire une bête gastro-culturelle tout à l'heure. Il y a de très bons vins. Je vais d'ailleurs tiens à citer quelques-uns, bien sûr, parce que, évidemment, on a beaucoup de vignerons ici, des gens formidables parmi ces Saint-Laurent. Petit clin d'œil à Alain, par exemple, Saint-Laurent de Cognac. Il a un pinot. Alors, je vous en parle pas trop, parce qu'il est en rupture. La foule des grands jours, après avoir dégusté le vin d'honneur servi pour la circonstance, s'installe pour le déjeuner servi pour plus de 1000 couverts dans une ambiance typiquement gasconne. Thank you.
Les rassemblements sont aussi des moments de réunir une assemblée générale qui est le Parlement de l'Association nationale des Saint-Laurent de France. C'est là que se décide la mise en place de projets ou d'actions pour les années à venir, comme le renouvellement annuel du conseil d'administration. Le projet des jeunes et déplacements dans les villes et villages et les rencontres, le DVD professionnel de Saint-Laurent de France, le projet du guide des Saint-Laurent de France, l'offre de location hors zone géographique de Saint-Laurent de France, Internet, Facebook, affiches des rassemblements, panneaux, ordre du jour, etc., etc., et prochaines manifestations. Tout le monde voit bien, clair, c'est net, c'est propre. Pendant que se déroule cette réunion, les équipes des différentes délégations se rencontrent pour les Jeux Inter-Saint-Laurent. Et alors, si vous aviez estimé que vos papilles ont été régalées, si vous êtes vraiment régalé aussi, le traiteur de la maison vient, Zolo qui arrive, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Les enfants, les cuisiniers, venez nous voir, s'il vous plaît. Voilà cuisine. Et voilà le chef. Voilà le chef. Entre tous ceux-là, qui va gagner? À mon avis, cette équipe est bonne. Vous êtes prêts? On va vous apprendre la première chose, de lever les bras. On vous l'a montré cet après-midi, hier aussi. Et quand vous faites comme ça? Alors, quand on fait comme ça, dans le langage des sourds et muets, c'est l'applaudissement, mesdames et messieurs. Alors, on applaudit aux sourds et muets. Ça c'est bien, une fois qu'on est là, moi je ne peux pas le faire avec ce bras bien sûr, on ferme le poing, c'est-à-dire les deux, voilà, on met les bras devant, on tourne le poing et on met le pouce en l'air. Et on va vous apprendre le chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi. Alors je compte sur vous bien entendu, et il faut tous le faire, on va envoyer la musique, vous êtes prêts? C'est parti la musique d'abord, on attend, on y va. On s'entraîne, c'est comme ça. D'accord? Je vous ai l'œil. Et on s'applique. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière, les coudes en arrière. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Et chiki chaki chiki chaki chiki chaka. Chicken 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 chicken. Les coups dans l'arrière, les coups dans l'arrière, mais je n'oublie, mais je n'oublie, les pieds rentrés, les pieds rentrés. Et chicken 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 chicken. Non, non, les garçons, c'est pas comme ça. Pas comme ça, les garçons. Pas comme ça. Vous n'êtes pas dans le ventre. Voilà. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coups en arrière, les coups en arrière.
dernière soirée permet depuis 1991 la traditionnelle passation du trophée des Saint-Laurent de France où sont gravés les noms des Saint-Laurent organisateurs des rassemblements. C'est ainsi que Laurent Pélissier, maire de Saint-Laurent-des-Gouzes, qui recevait en 2013, le remet à Saint-Laurent-en-Gascogne, qui le conservera jusqu'au prochain rassemblement. Alors, le rapport de l'Assemblée Générale. Le tiers sortant a été réélu. Il s'agit de Laurent Garaté et Joe Latian. Josette. Et Louis Nondedeux, Romain. Je ne l'ai pas fait exprès. En revanche, nous avons élu le bureau. Franchement, il n'a pas changé. Ce sont les mêmes. On ne change pas une équipe qui gagne. Marie-France est à nouveau la présidente. Chantal, la trésorière, la spécialiste d'Excel, est toujours trésorière. Et enfin, vous l'avez entendu, le secrétaire, je suis encore le secrétaire. Votre serviteur. Votre serviteur. Maintenant, passons au prochain rassemblement. Et c'est là que je dois prendre un bout de papier, que ça a été très très dur pour définir. Il y avait énormément de possibilités. Il a fallu choisir. Ça a été assez dur. Et donc, 2015, c'est Cerdan, on vous l'a dit. Les Monts de Lyonnais, Chamoussé. 2017, nous allons très très loin. Maroni. Ils ont eu de hautes luttes en Gâtine, Saint-Laurent en Gâtine. En 2019, nous rejoignons le Nord, Saint-Laurent de Blangy. Je ne peux pas arrêter mon propos sans remercier toute mon équipe. Vous le comprenez ? Tout seul, je n'ai rien fait, je ne suis rien. Alors je veux tout particulièrement remercier mon équipe dirigeante, l'équipe de base qui a conçu le projet. Ils sont là, vous pouvez les applaudir très fort parce que je vous assure qu'ils ont fait un travail énorme pendant un an et demi et ça n'a pas toujours été simple. Mais pas trop quand même, parce qu'ils vont prendre la grosse tête et qu'on va l'organiser dans une dizaine d'années, je ne vais plus les tenir. Mais je veux aussi bien sûr associer tous les bénévoles, les 185 bénévoles de l'association qui ont œuvré pour vous, qui ont œuvré aussi pour eux, parce qu'ils sont très heureux d'avoir participé à cette aventure. Ça a créé des liens d'amitié, de camaraderie, et je peux vous dire que ça va rester dans les cœurs des jeunes et des moins jeunes, parce que toutes les équipes mêlées des jeunes de 14-15 ans avaient des gens qui avaient peut-être 50 ou 60, et ça a été pour chacun une expérience formidable où les générations ont pu se mêler, mieux se comprendre, et rien que pour ça, rien que pour cette joie que vous nous avez procuré par l'intermédiaire de cette manifestation, je tiens à vous remercier et je vais demander à tous nos bénévoles, s'ils sont là, non, je ne peux pas leur demander, ils ont les assiettes en main. Je voulais qu'ils vous applaudissent.
mais du fond du cœur, merci.